Bonjour à toutes et à tous, c'est Orange88 et je vous retrouve pour un nouvel épisode sur Kingdom Hearts Union Cross. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit tour sur l'onglet qui porte le nom du jeu, quand même l'Union Cross. Alors c'est implémenté depuis, je crois, 2 petits mois. Je crois à peu près. Sauf que bien sûr, j'ai pas forcément trop fait, mais donc l'idée. Alors donc là, on a une nouvelle union. Enfin, on est en milieu de semaine, d'ailleurs. Ce qui est pas forcément le mieux. Donc on va commencer directement. On va partir. On peut choisir de partir avec une partie déjà faite, enfin une team déjà faite, enfin en attendant que tout le monde soit là, ou de commencer directement en rejoignant une expédition en cours. On va perdre de temps, hop, je vais directement. Alors la mission a été remplie. Allez, on va essayer d'atteindre rapidement le boss. Voilà, c'est le risque d'arriver en. Du coup, on perd tout l'intérêt là du multi. Ah. Oh là là, il y a des gros joueurs là. Voilà, donc du coup tous les joueurs font leur tour d'action. Voilà, c'est pas moi qui faisais les dégâts, hein, bien sûr. Faut pas abuser. Voilà, il y en a d'autres qui font pas grand chose. Et moi qui fais un peu, mais pas non plus énormément. Ouais, 62 000. Ah, j'en suis très loin. Voilà, une fois que tout le monde agit, après, hop, voilà, une attaque du boss ennemi. Ouais, génial. Ah, je suis mangé l'attaque d'une force. Et donc voilà, hop là, et donc du coup on peut aller jusqu'à je crois 6 joueurs si je dis pas de bêtises. Et donc forcément il y a des récompenses hein, diverses et variées. Ouais, j'ai fait 2,2% des dégâts sur le boss. Donc voilà, donc comme toute mission, il y a des objets récupérables par terre de base. Ça c'est crosspoint, je sais pas, c'est peut-être des gains automatiques, je sais pas. Non, c'est ramassé aussi, mais je sais pas où. Donc ensuite, il y a la mission inhérente à la mission bonus, on va dire, à remplir. Si elle est remplie, du coup, tous les joueurs en bénéficient. Ensuite, donc, la réussite de la quête. Bon, ça, c'est classique pour le gain. Et après, vous avez un nombre de crosspoints en fonction de votre classement parmi tous les joueurs. Ils m'ont mis 3ème en support, ouais d'accord. Ils gagnent 3ème support alors que bon je suis à 0 comme tous les autres derniers quoi. Tout va bien quoi. Bon voilà, c'était pas le bon exemple bien sûr, mais voilà, on va y retourner. Mais on va attendre d'avoir une partie complète, une team plutôt. Puisque ça correspond un peu à la même chose.
Voilà, donc. Et donc, du coup, il y a un autre, et puis après, il y a des gens qui rejoignent. Bon, on va espérer que ça prenne pas trop de temps non plus. Bah, c'est pour ça le côté de d'attendre. Forcément, ben, c'est dépendant des autres joueurs qui sont ou pas connectés. Bon, pourquoi j'avoue, c'est la première fois que je le fais, hein, réellement, donc je découvre le principe. Bon, là, ça me paraît bizarre qu'en autant de temps, il y ait si peu de gens. Alors que bon, je suis sûr qu'il y a du monde de connecté. Donc du coup, est-ce que ça va me faire partir automatiquement ou est-ce que ça me met directement une team? Bon, ben voilà, merci. Ça fait bête de dire ça, mais j'ai l'impression que ça va être un gag de répétition, quoi. Petit pop de message, mais. Bon, du coup, j'ai envie d'attendre plus, voilà. Ok, là, il n'y a rien. Bon, on avance, hein. Bon voilà, les ennemis ils sont de faible niveau, hein, vous voyez. Hein. Bon, je me permets même de pas trop taper fort, mais. Voilà, vous voyez en bas à droite une barre de. Ah, mais ça suffit, oui! Ah! Je peux pas lui envoyer stop parce que sinon ça va continuer. Bon, où c'est que j'ai des choses à faire? Bon, de ce par là, y a rien donc. Ah, style 1. Ah, d'accord. Il y a d'en bas. Ouais, c'est vrai que du coup, pour elle, j'ai peu de. Bon, je dois. Ah, attention, time rush. 1 minute 16. Oh là là, niveau 125, ouais, j'aurais. Ah, quoique là, j'ai du 2 en 1 là. Ouais, j'ai pas la réussir. Je vais terminer celui-ci et rester 20 secondes. Saleté! Ah, j'ai dit 20 secondes, j'étais mauvaise langue, j'avoue. Il est où? Il est où le dernier? Mais. Où es-tu, saleté? Ah, j'ai quand même pas loupé ça, alors que. Je jure, je suis parti du mauvais côté, hein.
Ah, là, je pense que ça va être le boss. Ça ressemble à une pièce de boss. Bon, bah, je suis parti du mauvais côté! Génial! Bon, en même temps, ça en... Oui, je sais, Time's Up! Allez, va-t'en. Ah là là. Ah, vous sentez la passion, hein? La passion de l'Union Cross. Bon, j'ai toujours personne qui est venu, c'est bien. Allez, on avance, on y croit. Ouais, bon, on va oublier le départ avec une team, hein. Il était dehors celui-là. Il doit être caché là-haut. Ah ben non, c'était là. Ah c'était... Non. Il aurait fallu vaincre les quatre groupes en fait. Ah oui, il aurait fallu gagner les 4 parce que c'était pas un chocolat en fait l'autre. Oh punaise. Bon, de toute façon, dans tous les cas, j'étais mort. Hein. J'étais mort pour l'objectif. Hein. Alors, est-ce que Spirit... Voilà, parce que là, je suis en mode réflexion pour savoir comment se passe le Spirit. Ouais, non, ça rien. Ça n'a rien à voir. J'ai juste précisé que c'est le... Que c'est la médaille de l'esprit, quoi.
Ah, ça y est! Allez, on fonce! Non, là, avant? Ah bon, on a targeté. Ah non, elle est là-haut, d'accord, ok, autant pour moi. Allez, on va morfler! On va morfler! Bon, ça va durer 10 plombes, j'apprécie carrément ça. Ça va être d'intérêt fleuve. Très clairement. On a 5 millions de points de vie. Pourquoi on peut pas s'autoriser ? Voilà le côté gavant de l'Union Cross si t'as pas grand monde qui te suit. Alors, si tu en fais rien, en automatique, ça fait quoi? Ok, ça quitte la mission. Ok, merci. Bon, au moins, on va dire que ça vous a permis de, voir un petit peu comment sont faits les missions de multijoueurs. Ouais, sur ces petits monstres là, pas besoin de faire. Pas besoin d'y aller en mode bourrin à 50 milliards. Ah. Ils sont où? Ah, là il y en a un. Ah mais c'est encore des vivants. Ah.
Mission complete! Yeah! Ah ouais, donc forcément, voilà, pour les Union Cross, du coup, si vous partez en mode aléatoire, sur votre niveau, bah, vous savez que vous n'arrivez pas à avoir forcément beaucoup de récompenses. Ah, saleté! Ah ben voilà, il est mort. Voilà la folle équipe. Donc oui, forcément, si vous êtes dans les milieux classés et que vous êtes toujours... Enfin, quoi que non, mais dans les mieux classés, non, c'est pas vrai, puisque les classements hebdomadaires, c'est... Ah si, un peu, c'est un peu lié quand même au... Ouais, parce que je suis au 4e, ok, 4e sur les dommages, 3e sur le support. Voilà, et donc du coup, voilà, vous voyez, ça peut aller assez vite, hein, les Union Cross, surtout si vous êtes avec des teams de... Mais en fait, ouais, il faut pas se baser sur le réel niveau, en fait. Il est plus se baser sur le rang. Alors, je vais vous montrer ça. Ouais. Bon, bah du coup, on va aller voir mon rang. Est-ce qu'il se voit ici? Non. Bon, il se voit pas là. On va retourner au home. Le home cinéma, bien sûr, hein, comme tout le monde sait. Ah oui, non, ça n'a rien à voir ici, ça a rien à voir avec ici, je crois. Ah oui, le Coliseum. Non, c'est pas ici que je le vois, c'est pendant Other Party. Voilà, donc du coup, ça peut... Voilà, donc Party Ranking, donc on est 20 sur... Ah, bah tiens, on a encore du monde. On peut accepter, c'est cool. Donc voilà, comme vous pouvez voir, voilà, il y a des rangs enfin, avec niveau et les blades. Donc voilà, par exemple, là, Angels qui est... Il y a sa dernière connexion qui remonte à plus d'un an. Ouais, c'est pas surprenant, mais bon, c'est comme ça, donc rang E. Donc Shiva, qui a un petit rang D. 19 jours, donc ça c'est normal. 260 jours. 439 jours. Ah, et moi-même rang C du coup. Bon, et après je crois que ça va être que du rang E. Parce que du coup, le rang ça se base donc. Enfin, ça se base. Ça rien, mais quoi, réellement, comment ça se. Comment ça se calcule. Comment ça se calcule, mais il y a le. Niveau qui prend en compte en partie les luxes cumulés depuis le début de la semaine
Sûrement qu'il doit y avoir une histoire sur les médailles, sur les poules de médailles qu'on fait. Je suppose, hein, bien sûr. Mais voilà, faudrait que je m'en renseigne davantage quand même sur le sujet. Donc, dès que j'ai plus d'informations, je vous en parlerai, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, je vous laisse sur ces paroles. Je vous retrouve pour d'autres vidéos prochainement sur Union de Cross. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde.